Juste après l'obtention de son permis au mois de décembre 2019, la société minière Elite Mining Guinée se met à la tâche pour les études de prospection et d'impact environnemental. Cette société minière évoluant dans la bauxite s'active présentement dans le forage au niveau des plateaux de Sangaran et de Dissa dans cette commune rurale de Sougueta, préfecture de Kindia, où une mission de la direction d'Elite Mining Guinée vient de séjourner. Objectif, visiter non seulement le terrain et s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le constat révèle que les travaux avancent à la satisfaction des dirigeants de cette société minière des trois Guinéens. Le bruit des machines en font foi. Le chef d'équipe des forages basé sur ces plateaux s'exprime en ce terme. L'épaisseur moyenne de la bauxite est de 4 mètres là-bas. En des endroits aussi, ça varie. Pour ce qui est du site de Dissa, nous sommes en train de compléter la maille 150-150. Nous avons commencé par la maille 300-300. Mais pour ce qui est du site de Sangaran, nous avons commencé par la maille 300-300. Ensuite, nous avons complété la maille 150-150. Donc, nous nous trouvons ici sur le site de Dissa. Donc, actuellement, c'est cette site que nous sommes en train d'explorer pour voir comment nous allons délimiter la numérisation. Très satisfait de cette opération sans laquelle aucune exploitation n'est possible, puisqu'elle permettra de faire l'homogénéisation afin de déterminer la teneur en alumine. Le PDG de la société minière d'Elite Mining Guinée a remercié au fond du cœur les ingénieurs qui, selon lui, effectuent un travail formidable et laborieux. C'est un grand coup de chapeau pour une équipe aussi junior et dirigée et équipée par des jeunes aussi. À mon avis, c'est une grande congratulation. On vous tire le chapeau et on vous encourage. Continuez dans ce sens et nous comptons sur vous pour limiter les incidents. Le patron d'Elite Mining Guinée et son équipe quittent les plateaux de Sangaran et Dissa, très confiant de la réalisation très prochaine de son rêve, qui est celui de l'exportation des premières tonnes de bauxite dans un bref délai.